Suivons ce poème inspiré pour la RD Congo. Tout Congolais, sinon toute âme qui vit sur le sol congolais, priez de réciter ce poème suivi d'une prière d'Esaïe, repris ci-bas chaque matin comme hymne durant cette période de vague. Pour votre rappel, toute âme sur cette terre est liée au sol que le Seigneur lui a donné pour y vivre, cultiver et développer. Si vous aimez cette terre, vous en connaissez les promesses et valeurs, récitez ce poème tous les jours puisqu'il est inspiré du monde divin. Le Créateur du monde vous aime d'un amour inconditionnel. Alignez-vous, je vous en prie, sur ces pensées. Poème. Ô peuple congolais, tel que votre terre est catastrophiquement riche en sol et sous-sol, ainsi l'esprit qui vous anime est catastrophiquement riche en grâce divine. Ô peuple Kama, congolais, bien que tu sois catastrophiquement riche, tu n'es pas de toutes les façons la plus haute montagne en Afrique. Toutefois, tu es un peuple d'action. Lève-toi donc pour tenir la flamme divine. Et que cette flamme brûle, grandisse et rassemble tous les peuples du Seigneur dans le monde. Ô peuple congolais, levez-vous donc comme un seul homme et répandez la flamme aux élus du Seigneur dans le monde entier. La RD Congo, les limites de ton sol ont été tracées sous l'inspiration divine. Celui qui y touche, le maître de l'univers lui en demandera des comptes. En outre, tout celui qui te prend de tes richesses par méchanceté verra ses richesses se transformer en feu qui le consumera. Par contre, tout celui qui t'aime et te protège et protège le tien sera béni du maître de l'univers. Que Abba Père nous ouvre à nous tous les yeux de notre être intérieur pour le renouvellement de l'univers. Amen. Ésaïe 33:1. Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Prions. Éternel, ayez pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, le peuple fuit. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme on moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il est rempli Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Amen. Abonnez-vous à votre chaîne Temps Accompli afin de recevoir chaque semaine des révélations profondes sur la RDC et le monde entier pour la nouvelle ère. Et appuyez sur le bouton J'aime pour manifester votre reconnaissance au Dieu Maître de l'Univers. À la prochaine.